député de Yokobwe, Lozoa, première vice-présidente du conseil régional du Loudjibwa. On va accueillir Madame la marraine. Elle est là. Et elle n'a pas oublié les tout petits durant cette 14e édition. En tout cas, où le cœur est, bien, les pieds sont là. La marraine, l'honorable Nadine Nieba, nous fait honneur de par sa présence. Et bien, comme d'habitude, elle va porter la bista que nous lui connaissons, la couleur, le cœur et la joie. Madame la première vice-présidente de la machine de développement dénommée le Conseil régional du Loudjibwa est bien aussi présente, naturellement, puisqu'elle aborde plusieurs casquettes. Maman Nadine Nieba. On profite pour saluer son filleul, le grand chantre Nikwes, qui ne tarit jamais d'éloge à l'endroit de la marraine de cette cérémonie, cette activité. Maman Nadine Nieba est là. Elle a accepté de parrainer cette 14e édition. Dénommée Kalebe, les travaux champêtres. En tout cas, nous confessons que partout où les populations ont besoin d'elle, eh bien, elle répond toujours présente. Après donc avoir déposé ses marques sur les localités de Yokobwe et de Lozoa, eh bien, maman Nadine Nieba est à la conquête, en tout cas de cette grande région. D'ailleurs, elle est la première vice-présidente du conseil régional du Loudjibwa. Et aujourd'hui, par sa présence, c'est toute la dimension d'une femme qui aime son peuple. Maman Nadine Nieba est là. On va l'acclamer. Merci aux majorettes, merci aux populations, merci à vous, chers festivaliers. Et tout à l'heure, elle va prendre place dans la loge officielle auprès des invités. Et on va continuer la fête. Nous voudrions profiter pour saluer tous les partenaires médias, les radios locales, la presse écrite, les télévisions, bref, on aura l'occasion d'être très précis tout à l'heure. Pour l'instant, on accueille la marraine, maman Nadine Nieba.
la marraine de cette édition, l'honorable Nadine Nieba, qui va prendre place. Merci à nos amis animateurs, merci beaucoup. Merci, merci nos amis. Nos amis en t-shirt noir, s'il vous plaît, merci beaucoup. Les amis, voilà, il faut. Voilà, merci beaucoup, merci. Honorables invités, mesdames et messieurs, alors que madame la marraine a pris place dans l'espace à lui réservé, eh bien, nous allons inviter les Amazones à faire une parade pour souhaiter la bienvenue à l'honorable Nadine Nieba, qui est la marraine de cette édition. Et les Amazones de ce festival vont faire une parade pour lui dire bonne arrivée, maman. On y va. Les Amazones, on y va. Nous voudrions profiter pour saluer toute la délégation qui accompagne madame la marraine de cette édition. En avant, Marco. Je t'ai chef de camp, casse-se. Maintenant, je suis plus chef de camp, mon beau temps est fini. Je suis triste et fatigué que d'être chef de camp. Oh là là, je vais y retourner. À Capi, vive Capi, à Kansas. Oh là là, je vais y retourner. La parade Capi, vive Capi, des Amazones. À Kansas. Pour saluer la marraine. Oh là là, je vais y retourner. Les Amazones de cette 14e édition. J'étais chef de camp, casse-se. Maintenant, je ne suis plus chef de camp, mon beau temps est fini. Je suis triste et fatigué que d'être chef de camp. Oh là là, je vais y retourner. À Capi, vive Capi, à Kansas. Oh là là, je vais y retourner. À Capi, vive Capi. Oh là là, démonstration, parade des Amazones, que je demande qu'on applaudisse très fort. Je suis triste et fatigué que d'être chef de camp. Oh là là, je vais y retourner. À Capi, vive Capi, à Kansas. Oh là là, je vais y retourner. À Capi, vive, vive Capi, à Kansas. Oh là là, je vais y retourner. Merci beaucoup. Merci aux Amazones, merci beaucoup. Maman Nadine a apprécié à sa juste valeur eh bien, cette parade pour nous souhaiter bienvenue dans l'espace. Merci beaucoup. Merci les Amazones.
je vivrai pour l'aimer. Merci beaucoup, merci, on va les applaudir, merci aux Amazones. En tout cas, belle prestation, la marraine a apprécié, merci beaucoup, merci. On va recevoir rapidement un autre groupe. Les onosans, avec les onofis, avec les vieux, tout ça. À les arranger, car pour nous passions la vie. Nous dit à les merci. Merci beaucoup. Merci. Merci les mamans, merci. Merci beaucoup. On va recevoir maintenant, merci beaucoup aux Amazones. Je voudrais saluer dans la délégation de la marraine, et bien... Son amour qui nous amène jusqu'ici, l'Ojibwa venait nous soutenir. On va recevoir à la suite des Amazones, eh bien, les mamans du village de Godileiri. Jusqu'ici, l'Ojibwa venait nous soutenir. Elles vont s'installer. Elles viennent de Godileiri, le village maternel naturellement de la marraine dont elles parlent ici. Elles vont tout à l'heure interpréter l'hymne national en Dita. Les mamans de la marraine. Nous sommes les mamans de Nadine, venues de Godileiri. Son amour qui nous amène jusqu'ici, l'Ojibwa venait nous soutenir. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. On va écouter l'hymne national en Dita, s'il vous plaît. Veuillez vous tenir debout, elles ont raison. L'Abidjanaise en Dita. Et quand la Bidjanaise retentit, on se met debout. Merci.
Bravo. Les mamans de Godi Lehiri, à l'instant donc dans la Bignanaise version Dida, nous vous dirons profiter pour signaler la présence du 4e vice-président du conseil régional du Lot-du-Bois, le président Nguesson Denis, dans la délégation de la marraine, le chef de cabinet, M. Tia. On n'oublie pas le responsable régie, Doumbia Aboubakar. Merci beaucoup, les mamans. Merci aux mamans de Nadine. On va les applaudir pour leur dire félicitations. Et puis rappeler que cette activité continue. Je vais bénéficier de la collaboration de Franck Covenant. Et c'est pour tout à l'heure. Je vais dire à madame la présidente de la communauté antillaise et guyanaise ici, madame Ete, que ici, à Divo, dans le Lot-du-Bois, nous avons une danse qui se pratique en pareilles circonstances. Eh bien, c'est la danse du village de Bagroubé. Et cette danse est dénommée Saolada. Saolada, Saolada, une danse que nous apprécions à sa juste valeur. Une danse qui fait partie du grand patrimoine culturel de notre peuple Dida, Godié, Avikam, Ega. Bref, le Saolada, c'est dans le village de Bagroubé, du canton Zédié, dans la sous-préfecture de Divo. Le Saolada rapidement, on va s'installer. Après Saolada, on ira à la découverte de cet instrument dont nous parlions à l'instant. Il s'agit du Logle Zalé. C'est pour tout à l'heure. Pour l'instant, on va apprécier la démonstration de cette danse qui se pratique pendant la joie, mais aussi pendant les tristesses. Saolada.
Une danse qui se pratique en pareille circonstance. Le Sawalada, qui nous vient du canton Zédié. On va les ovationner pour leur dire merci. Merci beaucoup à nos parents de Bagoubé. Belle démonstration. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci au Sawalada. Merci beaucoup. On va demander au responsable des danses et des arts de Djaka Festival, M. Eric Bogoué, de venir rapidement, de venir avec cet instrument, le Loglezalé. Cet instrument fait partie du patrimoine du village de Digo. Papa Dadier Charles. Papa Dadier Charles. Pour la traduction. Et notre ami Médard. Notre ami Médard. Alors, il est bon de savoir que... à Djaka Festival, il existe un espace dénommé Djaka Touristique. Et justement, Djaka Touristique à Djigo, où cet instrument a été découvert. L'ivoire rouge. Loglezalé. Pendant ce temps, nous allons accueillir M. Boga Sako Gervais. Pendant que le doyen explique. Et Médard va traduire tout à l'heure. Ne fait pas de personnes ou amis, coucou.
Juste le temps d'accueillir Monsieur Boga Sako Gervais au son du tam-tam. Villa de Yokobwe va s'installer le temps de permettre au groupe antillais et guyanais de s'apprêter. On va inviter Yokobwe. Et le remercier pour sa présence. Il s'agit du docteur Ngetia Marcel, président du Fonds de développement touristique. Invité de Madame la Marraine, en tout cas, merci docteur d'être présent. Pour l'instant, on va inviter nos amis. Yokobwe, s'il vous plaît. Le moment de Yokobwe, la programmation. Ok. Ah oui, Yokobwe. Et l'Ozoa. Eh bien, ce sont deux localités où a été élue la marraine, l'honorable Nadine Nieba. Démonstration de Yokobwe. Yokobwe en action. Alors,
La marraine est dans la place. En tout cas, maman Nadine, beaucoup de chaleur. Elle est toujours là. Et elle va esquisser quelques pas de danse pour accompagner ses sœurs. De Yokogwe, nous vous aimons. On va les féliciter en les applaudissant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci. Au moment de Yokogwe, je vais demander à Gak Reko de s'apprêter, mais juste préciser que dans cette tribune d'honneur se trouve le président du Fonds du développement touristique, Dr. Ringetia,
Ça fait longtemps que vous êtes dans cette tribune officielle et nous souhaiterons vous arracher quelques petits mots au regard de tout ce que vous avez constaté depuis que vous êtes là. Quel commentaire vous faites de ce JACA 14e édition? Je voudrais vous remercier pour cette marque de sympathie familiale, surtout de me donner la parole. Je crois que le JACA Festival est une cérémonie qu'il faut encourager et saluer, surtout pour l'union depuis Yokobwe jusqu'à Divo, ce caractère particulier familial que le JACA Festival donne. Je pense que moi, natif de Bandoku, il faudrait qu'on réfléchisse pour que prochainement le Gontour puisse participer au JACA Festival pour que ce soit vraiment un festival national. Félicitations à tous, félicitations à tous les danseurs, mais surtout il y a une maman qui a démontré quelque chose de très important. Elle a prié pour la marraine, je crois qu'elle n'était pas là, mais elle a prié pour elle. Oui, maman les gars, je crois que c'est un art qu'il faut saluer. Parce que si tu ne veux pas qu'il y ait des riches chez toi, c'est de la route pour aller prendre crédit qui devient long. Donc quand vous avez des enfants qui émergent, il faut prier pour eux, pour que ces enfants-là puissent aller encore plus devant. Merci et surtout, très belle cérémonie et bonne fête à tous. Merci Monsieur le Président du Fonds du Développement Touristique, invité spécial de Madame la Marraine. On va applaudir Dr Ngetia, s'il vous plaît. Bagroubé est parti. Gekeko est là. Gekeko, eh bien, c'est dans la tribu de la tribu Gbagbota, voilà. Mais du département là de Lakota, hein, voilà. Ils sont de la tribu Gbagbota, qui a un pied à Digo et à Gbega, mais un autre pied à Lakota. Gekeko. Pendant ce temps, on va demander au groupe antillais, guyanais, peuple invité par cette 14e édition de s'apprêter. Pour l'instant, on va continuer dans la tradition Dida pure avec le village de Gekoko, installé au pied de la montagne, près de Gbega. Gekoko, on va se dépêcher. Gekoko, on va se dépêcher. Merci beaucoup. Le village de Gekoko. Oh,
Merci beaucoup au village de Kakrako. En tout cas, belle démonstration. Le jeu de corps qui suit la rythmique des tambours. En tout cas, félicitations. On va les applaudir. Kakrako, merci beaucoup. Merci. Merci donc. À chacun d'entre vous, honorables invités, mesdames et messieurs, pour cette 14e édition, le comité d'organisation a invité un peuple frère. Il s'agit de nos parents antillais et guyanais qui vivent en Côte d'Ivoire et qui sont venus en délégation, laquelle délégation est conduite par la présidente, madame Ete. Et là, on va inviter cette belle petite colonie à nous proposer quelque chose. Madame la Présidente, l'espace est à vous. Amis festivaliers, ouvrez grand les yeux et appréciez. Viens qu'à voyager, peut-être ton joint qui retourne. Gilo, Gilo, aïe, 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 laissez-moi aller, Gilo. Les prières les répondaient, répondaient, levez la voix. Les prières les tambouillés, menez-moi y aller. Gilo, Gilo, aïe, 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 laissez-moi aller, Gilo. En portant 74, les portées aux demoiselles. Nous bien marcher, nous sauter, nous amuser, nous l'inviter, vous y faire aller. Merci, moi, de voyager. Tout bien, moi, si balais, c'est moi. Tout bien, c'est moi qui retourne. Dilo, dilo, aïe, 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 laissez-moi aller, dilo. Philosophie, à l'amour, la seule, l'un des mondes, un meilleur. L'amour, la sortie, la vie, quand tu t'as gardé, je suis gâté, yo, merde. Dilo, dilo, aïe. Qui te voulait aller, Gilo? Qui te voulait aller, Gilo?
pas qu'à voyager, peut-être un jour qui va tourner. Ok. Alors, si on apprécie, on va applaudir pour dire merci et félicitations. Madame Ete Roland, présidente de l'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire, va dire quelques mots. Allô? Chers hôtes, chères sœurs et frères de la région de l'Ojibwa, la communauté antillaise que je préside est représentée ce jour par l'AAGCI, l'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire, dont les membres sont issus de la Martinique, de la Guadeloupe, île de la Caraïbe et de la Guyane. La Guyane, c'est sur un continent. Notre association, cette belle dame, est âgée de 71 ans et partage avec la Côte d'Ivoire des valeurs, des mariages et une histoire commune. Nous sommes donc ici en famille, chez nous. Nous sommes honorés de l'hommage que vous nous faites en nous invitant à partager les moments culturels, traditionnels et festifs de cette 14e édition du Diaka Festival sous le thème Agriculture et chaîne des valeurs agricoles. Merci pour cet accueil chaleureux. Félicitations aux autorités, aux notables, à monsieur le commissaire général et encore merci, merci, merci de nous avoir conviés. Alors le gros cas que nous avons dansé est une danse traditionnelle. Vous avez vu, ce n'est pas le zouk que tout le monde connaît. Nous aussi, nous avons nos danses ancestrales qui viennent d'où? De ce que nous avons vu précédemment. Donc, je vais vous laisser la place, au vice-président Georges Raboteur qui vous parlera un peu de notre parcours du départ à ici. Voilà, Georges. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Y a-t-il des gens ici qui connaissent les Antilles? Parmi vous? Avez-vous quelques personnes? Qui? Vous là? Bon, apparemment là. De ce côté. Vous êtes allé aux Antilles déjà? Martinique, Guadeloupe ou ailleurs? Non. Bon, finalement personne. Vous savez-vous où se trouvent les Antilles? Non? Personne? Bon. Eh bien, les Antilles se trouvent en Amérique, c'est sur le territoire américain. Pourquoi appelle-t-on ce pays les Antilles? Ben, simplement parce que ça se trouve dans la mer des Antilles et de l'autre côté, c'est la mer des Caraïbes. En fait, ce n'est pas si simple que ça. Donc, en 1492, il y a un monsieur qui s'appelle Christophe Colomb, mais ça va aller, qui découvre l'Amérique et qui, en 1502, refait le voyage dans le sens à l'envers. Il pensait aller vers la route des Indes. Finalement, quand il va vers la route des Indes, il se trompe et puis il va vers les îles américaines et voit quelques noirs sous les plages avec de l'or autour d'eux. Il est persuadé qu'il a trouvé l'Inde. Finalement, ces Indiens, oui, en effet, existaient. C'était des Amérindiens. C'était les premiers habitants de ce pays. C'était des Caraïbes, c'était des Taïnos, c'était des Arawaks. Et ils étaient des... Ils partaient de l'Amérique centrale et ils remontaient toute la pointe des Antilles. Mais pour vous expliquer ce que c'est que les Antilles, il faudrait peut-être que je vous dise que c'est un archipel de 700 îles, îlots et cailles qui se trouvent de la pointe de la Floride jusqu'en Amérique centrale, c'est-à-dire les Guyanes et le Venezuela. Donc vous voyez un peu toute cette chaîne. Et puis d'un côté, vous avez la mer des Caraïbes, bien sûr, qui donne le nom aux Caraïbes. Et de l'autre côté, la mer des Antilles, mais c'est le même coin. Alors, donc, de la pointe à la Floride jusqu'au Venezuela, vous voyez un peu. Alors, dans ces îles-là, il y a quelques îles qu'on appelle des îles anglaises, des îles hispaniques et des îles françaises. Des îles françaises, il n'y en a pas beaucoup. Des îles
anglaises, il y en a bien plus. Les îles espagnoles, vous avez une grande île dont tout le monde connaît. Pouvez-vous me dire le nom? Voilà, très bien, j'ai entendu la réponse. C'est Cuba, exact. Et de l'autre côté, vous avez encore une autre île qui s'appelait à l'époque Hispaniola. Hispaniola qui était divisée en deux parties. Ça faisait Haïti d'un coup. Et après, ça s'est divisé d'un côté Saint-Domingue et de l'autre côté Haïti. Haïti, c'est le pays que nous connaissons actuellement et qui est pauvre, mais ce n'est pas à cause de sa situation, c'est à cause de la France et l'abolition de l'esclavage. Donc c'est un autre détail que je ne vais pas détailler là, parce que ça ne regarde que. Alors la colonisation va se faire, vous allez vous demander comment se fait-il que nous, Noirs, Africains, soyons arrivés sur une terre américaine. Ah ben, ce n'est pas compliqué. Christophe Colomb, en 1502, il découvre l'Amérique, bien sûr, mais en 1502, il commence à découvrir toutes ces îles qui sont là les unes après les autres, c'est-à-dire la Martinique, la Martinique, la Guadeloupe, Dominique, toute la chaîne qui monte jusqu'en haut. Et finalement, il y avait des colons qui étaient quelque part. Alors là, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à avoir la colonisation espagnole, bien sûr, avec la bénédiction d'Isabelle la catholique. Bon, la religion catholique, je ne dis rien là-dessus, mais jouera un grand, grand, grand rôle. Mais seulement, ces gens avaient quand même des Arawaks qui étaient là, et on décide d'en faire des esclaves. Bon, ils n'acceptent pas, bien sûr, ils sont chez eux, ils ne comprennent pas comment se fait-il qu'il y ait une tierce personne qui vienne leur demander d'être esclaves, de faire des travaux lourds, alors qu'ils sont là à se pavaner sur l'île et qu'ils se disent soi-disant propriétaires terrestres, de quoi ils n'ont pas, ils n'ont aucun papier. Ce sont des vauriens qui s'appellent les deux ceci, les deux cela, parce qu'il ne faut pas oublier que la France avait trois États à l'époque, qui étaient le clergé, la noblesse et le tiers État. Donc, ces gens de la noblesse, il y avait des voyous parmi, qui seront des fumistiers, qui seront des pirates, et qui vont aller vers ces îles. Et finalement, comme il y a des terres à cultiver, c'est-à-dire la canne, l'indigo, le café, enfin tout ça, parce qu'il y avait une grosse production, il ne faut pas croire que c'était un pays pauvre, c'était un pays florissant pour les Arawaks, mais ils ne se contentaient que de la pêche et bien d'autres choses. Parcourait d'une île à l'autre. Alors finalement, que vont faire ces Français? Ils vont envoyer tous ces Blancs de ce côté et ils vont prendre des terres depuis le nord jusqu'au sud et finalement, ça va continuer comme ça. Et de là, que va-t-on faire? Il n'y a pas de main-d'œuvre. Eh bien, là, il y aura l'esclavage. Et c'est de là qu'on va faire venir des nègres de toute l'Afrique. Il ne faut pas croire que c'est de cet endroit, y compris la Côte d'Ivoire. Il y aura aussi quelques endroits. Donc, si vous allez à Tiassalé, vous aurez des traces. Si vous allez à Sassandra, il y a le chaudron du dernier repas. Enfin, il y a pas mal de coins en Côte d'Ivoire, contrairement à ce que vous croyez. Moi, j'ai fait tout ça et je peux vous dire que... Bon, alors, voilà comment ça s'est passé. Voilà comment se fait-il qu'il y ait des Noirs dans ce pays, si vous vous posez la question. J'ai ici deux certificats qui donnent l'abolition de l'esclavage. Le premier qui est en 1793 et l'autre qui est en 1848 définitif, puisque ça a été rétabli par Napoléon en 1801. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté parce que je ne veux pas être plus long. C'est un sujet qui m'intéresse énormément, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas une seule personne qui connaisse les Antilles, ni la Martinique, ni la Guadeloupe. Je vous souhaite d'y aller un jour. Voilà. Bon, on va applaudir cette petite belle page d'histoire. Et puis, je vais demander justement à la délégation de rester là et inviter le chef Dogo Olivier, le chef central du canton à Bohiri. Mesdames et messieurs, chers festivaliers, Madame Kopa Jocelyne, qui est la présidente de Jaka Festival et Antillaise, et elle avec nous. Et aujourd'hui, le chef canton va baptiser la présidente, Madame Ete Roland, de son nom d'Ida. Et c'est ce qu'on va écouter. Ce
je dis... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, le Diaka m'autorise à donner un nom d'Ida à notre maman. Alors, ce nom s'appelle Badongon. Nous allons appeler notre maman aujourd'hui Badongon. Badongon qui veut dire notre chère maman, notre maman qui nous est chère. C'est tout. Donc aujourd'hui, nous allons l'appeler Badongon. Badongon. Voilà. C'est tout. C'est tout. Ça veut dire notre chère maman. Notre maman qui nous coûte cher. C'est tout. Donc, merci. Ben, juste un petit mot. Votre nouveau nom. Je sais vraiment pas quoi dire parce que je m'attendais pas à tout ça, mais je pense que c'est un joli nom, un joli prénom, et je l'accepte et je dis merci au chef et à toute sa délégation et de la communauté d'Ida, bien entendu. On va les accompagner en musique antillaise et guyanaise. En tout cas, merci beaucoup à cette belle communauté. C'est musique au pays en nous. Avec tout le créole en nous. Au café de Tipa à droite. Merci beaucoup. Ah ouais. Madame Kopa Jocelyne Badongon. Il faut l'applaudir, hein, elle fait partie de la communauté désormais. Oui, chers festivaliers, honorables invités, mesdames et messieurs, eh bien, si ce peuple a passé un bon séjour ici, c'est parce que ce peuple a été accueilli par un autre peuple. La communauté antillaise et guyanaise qui nous fait cette belle amitié de partager cette 14e édition avec nous est à Divo depuis quelques jours. Et à Divo, elle a été accueillie par leurs frères et sœurs du village de Bada. On va dire merci à Bada en applaudissant Bada. Et inviter justement les mamans de Bada ici pour apporter le tempo de la culture dans ce village qu'on aime bien. De passage, on salue le chef de ce village, le chef Bobby André, le président du collectif des chefs des villages de la commune de Divo. Les femmes de Bada, vous allez venir parce que c'est chez vous que sont rentrées
ces femmes antillaises et guyanaises, vous les avez bien reçues. Aujourd'hui, on leur a donné un nom, Dida. On va demander à Maman Kelly et à toute l'équipe de venir faire la démonstration. Je rappelle que tout à l'heure, on aura notre cher ami, comme dans Franck, pour la deuxième partie. Le temps, le moment, on va se dépêcher, s'il vous plaît. Le temps qu'elle s'installe, préciser que... Juste après Bada, place aux allocutions. Parce que on est dans la journée officielle de cette 14e édition. On va ouvrir les micros des mamans, s'il vous plaît. On va installer les micros pour les tam-tams. Tout à l'heure, on était aux Antilles et en Guyane. Retour à Divo en Côte d'Ivoire. Ok, ouvrez le micro de la dame. La régie. C'est bon. Voilà, Kelly. Ok, Bada, vous avez toute la place. Mula waika ba yuruguo, mula jakai na pole yelima yuruguo, jakai na pole yelima yuruguo. Mula jakai na pole yelima yuruguo, mula jakai na pole yelima yuruguo. Wala jakaka prio yuruguo, wala jakaka bao yuruguo, wala jakai na pole yelima yuruguna, jakai na pole yelio yuruguo. Awa yika bao yuruguo, jakaka bao yuruguo. Yeah,
beaucoup au moment de Bada. On va dire merci à nos mamans. Merci beaucoup. Merci d'avoir été très gentil avec nos frères et sœurs antillais et guyanais que vous avez reçus. Honorables invités, mesdames et messieurs, nous allons entamer la série des allocutions. Mais avant, juste signaler la présence de Dr Sako, Dr Boga Sako Gervais, voilà, président de la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme, la FIDOP. Elle s'appelle Rachel Dadier. Elle est ambassadrice de Jaka Festival. C'est à elle que revient justement l'honneur d'annoncer le commissaire général de Jaka Festival. On écoute Rachel Dadier. Ali yangi kwenyu Jaka walinyo atolado Ali yangi nyuo. Elle annonce la prise de parole du commissaire général. Jaka walinyo Papa les andrama Lago pali munyuo. Hommage au commissaire général de Jaka Festival. Elle s'appelle Rachel. Rachel Dadier.
soko, opo, 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 jaka wali, aye jaka mli, so. Papa les autres ama, la go kali menu, mama kupa sosli, aukwa. Papa tubo Dominique, la go kali menu, anowe, Willy Nyaku, aukwa. José Wele, papa pasteur à Teba, Isaac Doblé, Ano Atlana Gen, Lago Palengi Wenyu, Makatie, Marie Satebi, Dosoro Celestina, Aya Wuko, Liliane Nisue, Briga Evarista, Antsir Grawa, Aya Wuko, Dokasa Rodio, Dubia Mohamed, Watara Adama, Aya Wuko, Soko. Eric, Adé, Lago Palenyu, on va éviter le commissaire général de Tchakapati, monsieur Alexandre Ramadjonsi, Justin de Tours, sa prise de parole. Merci à la régie, et merci à Rachel. Le CG Alexandre Ramon Jonsis annoncé par Rachel Dadier, ce qui est normal. Voilà, belle coloration, belle façon d'annoncer le commissaire général. Monsieur Alexandre Ramon Jonsis. Honorables invités, mesdames et messieurs, nous atteignons une étape importante de cette édition 14 avec la locution du commissaire général. Votre attention, s'il vous plaît. Atunyangi, ayo. Anonyanyi, ayo. Anyagbe yigunagwa, zika. Epale anyu. Epale atunya, dutunya, epale wanyu. Waru di ebwe eko. Nwa yidamo. Jaka mape. Epale anonyanyu. Epale anlewye nyu. Waru lefe. Nwa bon. Nwa yanyi. Tout le bon. Et pas le wagnou. Et pas le anon. Nadini. Et pas le wagnou. Mais il y a le atunyaye. Et anonyaye. Il y a le wagbe. Wa pali wagnou. C'est nyanebe ou alina tout le wa. Blama. Anya kasan baka jakanu nyokrongo tout le atouli. Ne ale de gali. Nous a pali anye. Mon mot de sabre. Jacane, à femme du, mon femme croco. Ne banni jibé, n'y a de bé, ouai, du à la nazaka jibé. A pas de oignon. A pas de aïe, ministre. A pas de oignon. C'est quoi, Gualemne, à Kambaka Jaka. O bua yiko ni o kale anyi se ebu aye na da yi ale draeka ana mi na kinu ebu aye na da yi drawore kwa aka atunya e anunya duku die ko fa die ko sa so aya aka mo yi so wa kali blamo apu hotel nyamre wa pa da die gbe ale draeka ana mi na ka we lu bienu ne ale jakenu ese ne gbeje aye sokun anya lie anya godogodo tulidie anya dizay anya mne prazae ne eye na dodokuya dodokokwa waya enkubu gbagbagba bla wale dida me trepe dida kwa wa gbaso wa loku wale wali si waluku diza wa praso wa loku etralemne wa nu su diofin akale jakaye akale wa nuna jakaye akalo wa
Eme ministre Amede Onuna. Ziebueko akonye ni bekale anyi. Damaku ametosa. No motito idansa gbe. Anya due o kana yisu mo so kana kulkomene. Ifo kale jaka kande. Eme Nadine Onuna. Eme député Onuna. Eme nyanibwe wa lago kana ko eme Onuna. Zika iyale se aluku egbe aluku nyanye egbe wa nuna lubie no ala na wa kadrie wa kale ayin wana be wana gbagbe o drama ubi o nyanye wa kadra emi gbu wanu sa ale draka ngaze egba yin me awa yin adue ni awa yin agodogodo disaye ni awa yin agodogodo liye This a local carcumre, Emibu and Nasa. I ma wakuma, I have Syria mena, say water oko and kupuna, say a car dizadi, Madame Aqua Casa Moro, dry a fin to swanko. Wakalain. Chef ye, dutu ye, akalain. Ye can be draba ye, draba and draba ye, say a car jaka kande, a coacale, so a carcumre, where ye aya in kale, near you crocumre. Dibwe wena dalie bwe a jaka kandi wale draeka a isa famu wa mwesi isa famu wa saka du akwa famu e igbani wa ikrokomre e wena polemne wena ugome e igbana zika seli na wegba akala yin sino ali ayin kale gbuja isoku anana minusu o makapreko akapreko Wabwe yina gibi, nuwa wet repeduku, nuwa wet di, dadi ewe, wana yeso. Akale anye. Se lago pali anyu, lago pali anyu, ozoro anyazieko. So biale bi guwe, so biale bi kuli bialiye, so ba se loko aloko akada yini, se akadja kanu. E pali anyu o. Honorable Nadine Nyeba, ma sœur, première vice-présidente du conseil régional de l'Ojibwa, monsieur le quatrième vice-président du conseil régional de l'Ojibwa, par ailleurs représentant monsieur le président de la cérémonie, monsieur le ministre Amédé, madame Nadine est notre marraine, je peux dire marraine honoraire, parce que la marraine de plusieurs de nos activités. Je voulais vous dire sincèrement merci pour tout. Merci infiniment. Honorable Didi Bogro, fidèle député de Fresco, mais grand diakaphile qui n'a jamais manqué de diaka, je voulais te dire merci. Merci infiniment pour tout ce que tu veux, pour le combat que tu mènes pour la sauvegarde de notre culture. Monsieur le Président du Fonds de développement touristique, je suis particulièrement très heureux de vous voir. Ça fait la deuxième fois. La première fois, on était à Yokobwe, la dernière fois. Et c'est vous qui étiez à l'œuvre. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous encourager. Parce que Diaka aussi, c'est le tourisme. Tous ceux qui viennent ici, qui n'ont pas l'habitude de venir, même s'ils sont des divos, ils vivent dans les hôtels, ils mangent, ils achètent la nourriture. Tout ça, c'est du tourisme. Nous, on ne le sait pas, mais c'est du tourisme. Et le fait d'être là, votre présence nous rassure et nous disons que nous sommes sur la bonne voie pour le développement touristique, mais culturel et artistique de notre région. Merci infiniment d'être là. Madame la présidente de l'Amicale des Antillais Guyanais de Côte d'Ivoire, avec toute la délégation, la communauté invitée, je voudrais vous saluer pour votre présence. Et vos pas des Antillais qui ressemblent à notre Dobro, vraiment ça nous plaît. Je voudrais qu'on les acclame très fort. Docteur Boga Sako, merci infiniment pour l'amitié et la fraternité
et pour tout. Que Dieu te bénisse. Nos papas, les chefs, les notables, nos parents, nos pères, nous sommes très heureux de vous voir avec nous. Nous sommes très honorés de savoir qu'on a votre soutien et que partout nous allons, nous savons que nos parents sont avec nous et que nous pouvons compter sur vous. Merci pour votre présence et c'est de cette présence que nous avons besoin pour avancer. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, tout Portugal confondu, tous les parents qui viennent des villages de Divo, de Guitry, de Sassandra, de Grand Laou, de Iré et de partout, Lakota, je voudrais vous saluer. C'est grâce à vous que la culture vit et vivra dans notre région. C'est grâce à vous qu'on parlera toujours de Dida, de Gaudier, de Néo, d'Avicam, de Ega. Sans vous, il n'y aura pas de peuple. Sinon, on dira je suis Dida, mais on ne parlera pas de Dida. On ne parlera pas de Gaudier. C'est pour cette raison que je voudrais vous dire merci infiniment. Chaque fois que nous vous avons invité, vous n'avez pas demandé d'argent. Vous n'avez pas posé de conditions. Parce que vous savez que c'est pour vous, c'est pour votre avenir. C'est, quand je dis votre avenir, je parle de la jeunesse. C'est pour les générations futures que vous faites tout, vous abandonnez tout pour venir ici. Et je voudrais vous dire merci pour tout ce que vous faites. Et je voudrais vous encourager, parce qu'on aura encore besoin de vous. Non seulement ici, mais ailleurs. Avant-hier, nous étions avec le directeur général de Sénac. Et nous savons que nos danses sont des danses patrimoniales. Et nos danses peuvent voyager. Et nous devons être des ambassadeurs auprès des autorités pour vous permettre, vous aussi, de voyager, pourquoi pas, dans d'autres pays. Mais je voudrais vous encourager, vous dire merci. À tous les diakafiles, je ne prends pas ma retraite, ne vous en faites pas, vous avez peur. Je ne prends pas encore ma retraite. Mais je voudrais vous dire merci, je voudrais que vous vous acclamiez très fort. Sans vous, il ne peut y avoir de Diaka. Sans vous, il ne peut y avoir de CG. Le CG ne fait son travail que parce que vous travaillez très bien. Et je voudrais vous encourager, demander à Dieu de vous bénir. Demander à Dieu de vraiment de vous bénir abondamment. Et de vous nous donner la santé. Nous venons ici, Madame la marraine, pour la 14e édition du Diaka Festival. Ce n'est pas facile, hein? En Côte d'Ivoire, nous faisons partie des vieux festivals depuis 2006. On se compte sur les doigts. Popo Carnaval, Bassam, Boaké n'existe plus. Non, nous venons à la 3e place des festivals de Côte d'Ivoire. Et tout cela parce que nous avons une culture très riche. Divo n'est-il pas la capitale culturelle de la Côte d'Ivoire? Avec tout ce que nous voyons ici, nous savons que notre culture est très riche et variée et nous allons continuer, grâce à votre soutien, nous allons continuer de faire ce travail de valorisation de nos cultures. Mais si vous valorisez la culture, vous valorisez aussi les hommes et les femmes qui sont dans cette culture. C'est pour ça que je salue tous les artistes qui viennent avec nous, tous les artistes qui laissent tout et qui ne demandent pas de cachet pour venir présenter et soutenir leur culture. Je voudrais leur dire merci. Je voudrais qu'on acclame très fort les artistes. Je voudrais aussi qu'on acclame très fort les journalistes. Sans eux, on ne peut rien faire. Merci infiniment, les amis de la presse. Et cette fois-ci, vous avez fait un très bon travail. Parce que chaque fois, vous avez rendu compte de nos activités, contrairement aux éditions passées. Et je vous dis vraiment merci beaucoup. Je n'ai pas, grand mot à vous dire si ce n'est pas merci. À tous les festivaliers, vous avez constaté que le terrain, le stade municipal de Divo, place de Diaka,
est devenu un grand marché. Mais ce n'est que le début. Parce que monsieur le quatrième vice-président est là, nous avons cette confidence de grands frères à petits frères, mais qu'il faut souvent mettre au grand jour. Une fois commercial à niveau de 2 semaines, on peut le faire, n'est-ce pas? On peut le faire. Les commerçants en ont besoin. Les opérateurs économiques en ont besoin. Les hôteliers en ont besoin. Les transporteurs et Divo en ont besoin. Mais nous ne pourrons le faire, nous seuls, Diakafil, sans le soutien de tous les Divolais, de tous les gens de l'Ojibwa. C'est pour cette raison que nous reviendrons vers vous pour que ce dossier-là avance et que le projet de foire commerciale doublé de Diaka Festival se déroule dans de bonnes conditions. L'année 2024 marque l'année de l'agriculture dans le Lodjibwa, le Bokré et le Grand Pont. L'année des chaînes de valeur agricole. C'est vrai que nous sommes dans la zone agricole, mais qu'est-ce que l'agriculture simplement nous a rapporté? C'est vrai, on est parti à l'école et on parle devant vous aujourd'hui, les parents, mais les jeunes ne le savent pas. Et aujourd'hui, il ne suffit pas d'aller au champ, planter et c'est fini. Vous avez constaté cela. Nos bas-fonds sont devenus aujourd'hui des plantations de palmiers, là où on devait planter le riz. Aujourd'hui, dans nos villages, on a l'EVA, on a le palmier à huile, on n'a plus de cacao et on n'a pas de bananes, on n'a pas de riz. On va manger quoi? Voilà le sens que nous donnons à cette année. Les parents qui ont encore les bas-fonds, demandez à vos enfants et aux femmes de les travailler. Les produits vivriers sont importants au même titre que l'EVA, le palmier à huile et le cacao. Parce que nous mangeons tous, depuis notre village jusqu'à Abidjan. La banane, l'igname, le manioc, le riz peuvent vous garantir la richesse au même titre que le cacao. Faisons attention à ne pas connaître la famine dans notre région quand on sait que lorsqu'on jette du riz, des grains ici, ça pousse. Nous avons la chance. C'est pour cette raison que nous avons demandé que ce thème-là soit appliqué cette année. Et il ne suffit pas de planter, mais il faut savoir que n'importe qui peut rentrer dans la chaîne. On peut transporter, on peut vendre ou revendre, on peut transformer. Il faudra que chacun se mette au travail si on veut que notre région se développe. Mais tout cela, nous demandons à la jeunesse de travailler. Hier, nous étions dans l'usine en construction des jumeaux suprêmes et le PDG nous disait que chaque fois qu'il prend des jeunes et qu'il leur donne 10 000 francs, le jeune récupère les 10 000 et puis il disparaît, il ne vient plus travailler, il va aller manger, il va aller boire. Ça veut dire qu'on ne veut plus travailler. Mais si tu ne veux pas travailler, comment tu peux manger? C'est pour ça que j'appelle les jeunes au travail. Je les engage à être courageux. Parce que maintenant, Nadine, que vous voyez ici, si elle est là et qu'elle est marraine de Diaka, c'est parce qu'elle a travaillé. Amédée, le ministre Amédée, c'est parce qu'il a travaillé et que les gens continuent de travailler. La jeunesse, c'est l'avenir de notre région. Et nous pouvons réussir dans tous les domaines. Et je voudrais que la jeunesse se mette au travail si on veut que notre pays, si on veut que notre région se développe. Mais nous sommes à Diaka Festival et je voudrais dire merci d'être venu aux Antillais pour l'histoire et nous ferons en sorte, nous allons demander à Dieu de nous permettre, nous aussi, de visiter les Antilles.
Et très bientôt d'ailleurs, on va accompagner notre présidente là-bas. Badoumon Ayo. Lagopalenyou. Vraiment, je voulais dire merci. Merci infiniment. J'ai beaucoup parlé parce que c'était important. Mais je sais que nous sommes à Dakar et que c'est l'action, la danse, les jeux traditionnels. Que Dieu nous bénisse. Vive Dakar Festival. Pali yangi nyuo, pali yangi bwenyu, jaka waliyo, atolago. Monsieur Alexandre Amin, Jonxis, commissaire général de Jaka Festival. Je vais demander aux hôtesses très rapidement d'accompagner monsieur le vice-gouverneur du district autonome de Gojibwa qui vient à peine d'arriver, juste pour rappeler qu'on aura encore 3 allocutions. Le soutien musical, Argis, s'il vous plaît, pas de temps mort. Année 2006. Il était une fois un peuple, une culture dans le lore du bois. Les Dida, Godier, Afrika, Mio, tous unis pour le Jaka. La fête et la célébration de notre culture. Vive Jaka Festival, pour que vive la culture ivoirienne. Wallo, oh, wallo. Wallo, oh, wallo. Wallo, wallo. Jaka Yayi, Jaka Koda. On va accueillir monsieur le vice-gouverneur, représentant le ministre-gouverneur, lui André Dacrou Tablé, invité d'honneur de cette 14e édition. Et donc le vice-gouverneur, c'est monsieur Lo Apollin qu'on accueille. Merci beaucoup. Merci. Merci la régie. À l'instant donc, nous écoutions le président des fédérations des festivals de Côte d'Ivoire, le commissaire général de Jaka Festival, monsieur Alexandre Ama. Et à sa suite, nous allons écouter, au nom justement de cette fédération, la représentante ici, madame Yao, s'il vous plaît. On va vous accueillir devant ce pupitre pour le mot de la Fédération des Festivals de Côte d'Ivoire. On accompagne la régie, on accueille madame Yao au nom des Festivals de Côte d'Ivoire. Wallo, oh, wallo, wallo, Jaka Yayi, Jaka Koda, Jaka Yayi, Jaka Wallo Koda. Le commissaire général de Jaka Festival est le président de la Fédération des Festivals de Côte d'Ivoire. Et justement, au nom de cette fédération, merci. Merci. Madame Yao, on vous écoute. Merci, monsieur. Honorable Nadi Djeba, si je ne me trompe, Nyeba, excusez-moi madame la marraine, marraine de la 4e édition de Jaka Festival, monsieur le vice-gouverneur,
Monsieur le quatrième vice-président du Conseil régional, honorable député de Fresco, Monsieur le président du Fonds de développement touristique, Madame la présidente de l'Amicale des Antillais résidant en Côte d'Ivoire, Docteur Boga Sako, honorable chef traditionnel, chef religieux et administratif, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, cher Diakafil, je vous salue. Je suis Kiasio Juliette, épouse Yao, commissaire général du Festival des arts culinaires Ouai et secrétaire générale adjointe de la fédération. La dite fédération qui est présidée par votre dynamique fils, M. Alexandre Draman. Nous sommes là ce jour. Je suis accompagnée par deux de mes collègues. M. Nick West, qui est le commissaire général de Nawa Festival, et Madame Miezan, voilà. Nous sommes là au nom de la fédération pour soutenir notre président et aussi témoigner notre reconnaissance à tout le peuple d'Ida. Féliciter également le comité d'organisation qui l'accompagne dans cette activité depuis 14 ans aujourd'hui. Il faut dire que M. Alexandre est pour nous un modèle de résilience, de courage et de persévérance. Organiser un festival pendant 14 ans, ce n'est pas chose facile et je pense qu'il est à féliciter. La fédération regroupe en son sein plus de 90 festivals, entre autres figurent le FEMUA, le Nidale Festival et bien d'autres festivals que vous connaissez. Le Popo Carnaval, voilà, et bien d'autres festivals que vous connaissez. Comme son nom l'indique, nous avons créé cette fédération pour fédérer tous les organisateurs de festivals en Côte d'Ivoire. Et M. Alexandre Draman est la preuve qu'être organisateur de festivals, ce n'est pas qu'on a échoué dans la vie, voilà. Être organisateur de festival, c'est avoir l'amour de sa culture et avoir le désir de pérenniser cette culture, car nous avons le devoir de léguer un héritage à cette nouvelle génération. Sur ce, je remercie tout le comité d'organisation de Djaka Festival. Que vive Djaka Festival pour une Côte d'Ivoire unie et prospère. Je vous remercie. Madame Yao, au nom de la Fédération des Festivals des Côtes d'Ivoire. Honorables invités, mesdames et messieurs, vous le savez, habitués de Djaka, vous le savez, le peuple à Tchan est vraiment en partenariat très solide avec Djaka Festival. Et ce peuple à Tchan, la fédération est donc avec nous ici. Et elle est représentée par M. Yapi Désiré, qu'on salue. Madame la marraine, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est une machine de développement. J'allais dire un outil de développement. Il s'agit de l'union des cadres du Grand Divo, qui comprend les départements de Divo, Lakota, Guitry, Fresco, Grand Laou et Sassandra. En tout cas, ces cadres sont réunis dans cette structure pour justement accompagner le développement et faire la promotion de ces cadres. Et donc, au nom de l'union des cadres du Grand Divo, j'invite à ce pupitre, respectueusement d'ailleurs, M. Marc Dogo, au nom du président, le docteur Aguido Abraham. On accueille M. Marc Dogo. Vive Djaka Festival, pour que vive la culture ivoirienne.
Nadine Nanyeba, députée de Yokobo et Lozoa, première vice-présidente du Conseil régional du Lord du Bois, femme au grand cœur, maman qui n'est plus à présenter dans notre région. Nous connaissons tes valeurs, nous savons ton dévouement et ton engagement pour le développement de ta région. Je voudrais, à côté de vous, chers maires, saluer également l'honorable Didi Bogro, député de Fresco. À sa suite, saluer monsieur le vice-gouverneur du district du Gord du Bois, monsieur le président du Fonds de développement touristique et madame la présidente de l'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire, honorable chef coutumier, chef religieux, mesdames et messieurs, tout protocole respecté, je voudrais au nom du président de l'Union des cadres du Grand Divo vous transmettre les salutations de l'UCGD. Honorable Nadine Nyeba, marraine de la 14e édition du Djaka Festival, festival qui rassemble tous les Didas et alliés, l'Union des cadres du Grand Divo, comme le modérateur vient de le dire, qui concerne les localités de Lakota, Divo, Guitry, Fresco, Grand Laou et Sassandra, tous ces cadres ont décidé de s'impliquer activement dans le développement de leur localité par tous moyens, parce qu'au sein de ces cadres, il y a toutes les compétences. Et à côté du docteur Abraham Aguido, qui en est le président, il y a beaucoup d'expertise et les cadres de notre région, sinon de notre grand cercle, ont décidé de conjuguer ensemble leurs efforts et promouvoir le développement de nos localités, promouvoir le développement aussi à travers la culture, parce que vous savez que la culture est le socle de tout développement. Et il est important pour nous de rappeler ici que l'UCGDD a décidé de prendre toute sa part dans l'organisation du Djaka Festival. Chaque année, comme le commissaire général peut le témoigner, nous avons toujours notre présence ici. Nous avons un stand, nous avons les cadres qui viennent toujours apporter leur soutien. Et nous saisissons encore cette opportunité pour dire que tous les Didas, tous les cadres de ces 6 localités que je viens de nommer, doivent se constituer en ambassadeurs pour sensibiliser tous les autres qui ne sont pas encore venus s'inscrire ou bien apporter leur effort aussi à l'UCGD afin que nous puissions ensemble contribuer au développement de notre localité. L'UCGD voudrait vous saluer ce soir et vous dire merci pour votre présence et merci à l'honorable, merci aux personnalités qui sont là. Merci à toutes les autorités que nous n'avons pas pu peut-être citer. Que Dieu vous bénisse et que Djaka Festival 2015 soit encore une grande réussite au-delà de ce que nous voulons de voir aujourd'hui. Soyez bénis. Merci beaucoup. Pour que vive la culture ivoirienne. Voilà, oh, voilà. Voilà, oh, voilà. Monsieur Marc Debo, au nom de l'UCG, l'Union des Grands Divos, en tout cas merci pour votre soutien, merci pour votre présence. Transmettez justement les salutations au président, le docteur Abraham Aguido. Merci. Honorables invités, mesdames et messieurs, nous allons faire toute la place à cet invité spécial de madame la marraine. Vous l'aurez deviné, puisque nous en parlions depuis,
Il s'agit du président du Fonds de développement touristique. J'invite ici à ce pupitre, avec beaucoup de respect, Docteur Nketia Marcel, s'il vous plaît. On l'applaudit, on l'accueille, la musique, la régie, pour accueillir Docteur Nketia. Merci beaucoup. Merci. Il va prendre la parole à la demande du commissaire général parce que véritablement vous n'étiez vraiment pas informé. Voilà. Merci. Madame Nibanadine, honorable députée de Yokobo et Lozoa, première vice-présidente du Conseil régional du Lot-du-Bois, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole confondu. Comme il a dit tout à l'heure, il n'était pas prévu que je prenne la parole, mais je la prends parce qu'il me l'a donnée et je voudrais juste dire un mot. Un mot, c'est de remercier l'honorable Nibanyadim qui a bien voulu m'inviter à cette cérémonie. Et quand elle m'a invité, j'ai prié les dieux pour que je sois en bonne santé pour être là, car pour rien au monde, je voulais rater cette occasion. Je voudrais, honorable, vous remercier. Vous remercier de m'avoir invité. Vous êtes une femme, comme j'ai l'habitude de le dire, exceptionnel. Mais je pourrais dire, Yokobwe, sinon le Lot-du-Bois, a la chance de vous avoir comme première vice-présidente, mais de vous avoir comme députée de Yokobwe Lozoa. Parce que des femmes comme vous en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas assez. Et quand on en a une, il faut l'adorer, il faut en faire ce qu'il faut en faire. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, quand une de nos mamans a pris la parole ici pour chanter, je l'ai vu parler de l'honorable. Je ne comprenais pas le dida et j'ai demandé à la personne qui est à côté de moi, je te prie de m'expliquer ce qu'elle est en train de dire. Parce que sans comprendre le dida, je pourrais moi-même l'expliquer à quelqu'un d'autre. Parce que je savais que cette voix est que de bonnes paroles. Honorable, j'ai l'habitude de le dire et je l'ai constaté. Vous êtes adulé par votre population et vous êtes aimé comme nous autres, nous vous aimons. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier pour vous, pour que vous ayez toujours la santé, une bonne santé, car sans la santé, on ne peut rien faire. Une santé de fer pour que vous puissiez être à la disposition de votre population. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais vous remerciez de nous avoir invités, notre modeste personne, à cette grande cérémonie qui regroupe tout le Lot-du-Bois. Merci pour cet honneur que vous nous avez fait. Je voudrais prier le représentant du président du Conseil régional, Monsieur le ministre Amédée Kouakou, fils de Divo, de lui transmettre mes salutations les plus sincères, mais surtout le remercier pour le travail qu'il fait, non seulement pour le Lot-du-Bois, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Car depuis qu'il est à l'entretien routier, la Côte d'Ivoire reconnaît en lui ce travail bien fait. Il n'est autre que le père de cette nouvelle Côte d'Ivoire avec de nouvelles routes. Merci à la population du Lot-du-Bois et à monsieur le commissaire général, je voudrais vous remercier. Vous remercier pour deux choses. La première, pour la parfaite organisation de cette cérémonie, car elle est bien organisée. Et je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que dans les invités, que vous pensez aussi au Gontro les prochaines années. Mais surtout pour votre intervention de tout à l'heure, à deux niveaux. Au premier niveau, vous avez eu à intervenir en Dida à 100%.
Je peux dire que vous êtes un professeur. Vous êtes un professeur titulaire en Dida. Parce que votre intervention était impeccable. Merci pour cette leçon à la nouvelle génération qui ne comprend pas nos ethnies. Je crois que c'est une leçon pour que cette culture que vous êtes en train de prôner puisse connaître un aboutissement heureux pour nos enfants qui sont à Abidjan, qu'on puisse venir avec eux chaque année pour assister au festival Djaka. Merci, mesdames et messieurs. Merci, honorables. Merci à tous et bonne fête. Docteur Marcel Nguetia, président du fonds. Merci beaucoup, merci la régie. En tout cas, nous sommes très heureux d'avoir entendu une prise de parole précise, concise, mais qui nous a apporté beaucoup de baume au cœur. En tout cas, merci, monsieur le président. Honorables invités, chers Djakafiles, visiteurs, mesdames et messieurs, eh bien, elle est députée de Yokobwe Lozoa. Elle est première vice-présidente du conseil régional du Lodjibwa. Elle est directrice des ressources humaines de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Oui, elle a transformé Yokobwe. Aujourd'hui, Yokobwe, comme on le constate, est une ville nouvelle. Addiction d'eau portable par la construction d'un château d'eau. Construction d'un air de repos et de loisirs. Nous étions là-bas lors de l'inauguration. Eh bien, l'inauguration a eu lieu le 3 août dernier. Oui, des travaux de bitumage, des voies, des dons de matériel médicaux, construction d'une bibliothèque pour les élèves. Honorables invités, mesdames et messieurs, elle est toujours à la disposition des populations. Elle est à l'écoute des populations. Elle, c'est une femme de culture. Depuis qu'elle s'est investie dans le Djaka Festival, eh bien, vous êtes d'accord avec moi que nous voyons, nous constatons et nous sentons que les choses bougent. Merci, honorable, à nos titi, pour tout ce que tu fais pour la culture dans le Lodjibwa. On accueille Madame la marraine Nadine Nyeba. Maman Nadine Nyeba, à Notiti, à Yoyani. 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 L'apprentissage du métier culturel, pas du merci facile beaucoup pour nous jeunes. Merci beaucoup. Y arriveront quand même. Merci. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. On écoute Madame la marraine avec beaucoup d'attention. Merci. Merci. Ah ou quoi? Monsieur le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, président du Conseil régional du Lodjibwa, président de cette cérémonie, représenté par le quatrième vice-président du Conseil régional qui est juste à côté de moi, mon cher grand frère qui est toujours avec moi. Merci. Monsieur le ministre gouverneur, représenté par le premier vice-gouverneur, cher frère Apollin, je te dis merci, merci d'être présent, merci d'accompagner tes frères chaque fois qu'ils ont besoin de toi. Monsieur le député de Fresco, mon cher voisin,
Merci, merci de soutenir nos parents. Merci beaucoup. Monsieur le président du Fonds de développement touristique, monsieur Nketia Marcel, cher frère, merci. Merci avec ton binôme Aïmé qui est toujours présent. Merci, merci d'être à mes côtés. On était à Yokoboué. Je pense que vous avez pu offrir, je dirais, à la Côte d'Ivoire un bel édifice à Yokoboué. Vraiment, merci. Merci. Grâce à vous, Yokoboué ressemble à un petit Paris. Merci beaucoup. Madame la présidente de l'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire, Bodanglan, merci, vous et votre délégation, merci infiniment. Mon frère docteur Bogasako, merci, merci d'être présent, merci pour le soutien. Monsieur le représentant du président de l'Union des cadres du Grand Divo, en abrégé UGCD, merci. Merci pour l'allocution de tout à l'heure. Mesdames et messieurs, les cadres du Lodibois, mesdames et messieurs, les directeurs régionaux, et chef de service, distingué chef coutumier et guide religieux, mesdames et messieurs les responsables de communauté, mesdames et messieurs les responsables des associations et organisations de jeunesse et de femmes, chères populations de la grande région du Lodibois, chers invités, je vous dis bonne arrivée, merci à Oukwa. Je voudrais saluer chacun de vous et vous souhaiter la bienvenue à cette 14e édition du Tchaka Festival ici à Divo. Je voudrais aussi dire merci à l'initiateur de ce festival, mon frère Alexandre Ndrama, commissaire général. Merci pour cette belle initiative. Que Dieu te bénisse, qu'il continue de t'encourager, qu'il continue de faire en sorte que tu puisses avoir des idées pour nous égayer chaque année. Merci, merci. À l'ensemble des membres du comité d'organisation, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude et traduire mon infinie reconnaissance pour le choix porté sur ma modeste personne en qualité de marraine de cette cérémonie. Merci. Au président du comité d'organisation, Dr Justin Detto, et à toute son équipe, je voudrais aussi saluer votre effort de sensibilisation et de mobilisation, car pendant 14 années durant et sans discontinuité, vous avez porté haut le flambeau de Tchaka Festival au firmament de la reconnaissance des valeurs culturelles locales et internationales. À tous ceux qui ont contribué au franc succès de cette belle fête de la joie à travers vos prières, vos dons et autres, je vous prie de recevoir mes remerciements les plus sincères. Mesdames et messieurs, chers festivaliers, chers Djakafiles, je voudrais également vous remercier pour votre présence massive à cette tribune d'échange dont l'éclat traduit votre engagement et votre attachement aux valeurs culturelles du terroir.
Djaka Festival. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Faut-il le rappeler? Djaka est un concept culturel créé en 2006. Pour ceux qui ne le savent pas, dans le village de Akabia, dans la sous-préfecture de Nebo, département de Divo, dans un contexte de crise. Il s'agissait pour les concepteurs, comme Drama, de se regrouper et débattre d'autres choses dans la joie et la ferveur que de parler des événements malheureux. Les différentes rencontres périodiques transcendaient les limites de la région du Lodjibois et s'étendaient jusqu'au peuple du grand cercle de Grand Laou, c'est-à-dire les peuples Avikam, Gaudier et Néo. Djaka Festival est devenu aujourd'hui une tribune d'échange, de partage et surtout d'exposition des valeurs culturelles qui caractérisent et identifie les peuples ci-dessus cités. Au-delà, Djaka Festival est un forum d'information, de sensibilisation, d'éveil, de prise de conscience de la valorisation et de la protection du patrimoine culturel local. C'est pour cela que chaque année, des thématiques sont abordées par un panel de spécialistes aux fins d'informer et de sensibiliser. L'année dernière, c'était autour du thème Kokba, une invite à la préservation de la forêt et de l'environnement. Cette année, le thème choisi, c'est la continuité du thème de l'année dernière, formulé sous le vocable Gaudier Kalébé. Mais en réalité, chez nous ici à Divo, on dit Klalobé, c'est-à-dire le travail de la terre, pour rendre un vibrant hommage aux parents de la région du Gbankle, mais aussi et surtout à tous nos parents qui ont en commun le partage de la terre comme héritage culturel et matériel pour la préservation des générations à travers l'autosuffisance alimentaire. Pour ma part, et marraine de cette cérémonie, je voudrais donc lancer un appel d'encouragement à nos jeunes frères et sœurs et aux plus actifs de s'intéresser au travail de la terre, car elle ne trahit pas. Elle sait rendre et multiplier les bienfaits de la semence qu'on lui donne. Merci à toutes, à tous, pour votre présence et l'amitié que vous nous faites de répondre à nos différentes invitations. Que le Tout-Puissant vous raccompagne, chacun de vous, à vos différents domicile. Vive Djaka Festival 2025. Je vous remercie. D'accord. Merci donc à la marraine. L'honneur revient donc au quatrième vice-président du conseil régional d'annoncer les dons de la marraine. Votre attention, s'il vous plaît. Le don du président, monsieur le ministre. Bien, merci. Monsieur le commissaire général de Djaka Festival, mesdames et messieurs, chers parents, c'est un honneur pour nous de représenter ici le ministre Amédée Kouakou, président du conseil régional du Lodjibois et en même temps président de cette belle cérémonie qui est le festival 2024. C'est un honneur pour moi parce qu'il m'a dit de vous dire qu'il offre
une enveloppe de 2 millions de francs au comité d'organisation que nous allons remettre à M. Alexandre Diama lundi matin. Je vous remercie. On va accompagner Madame la marraine avec beaucoup d'ovations. La terre ne trahit jamais. Nous avons retenu cette partie de son discours. Le métier culturel, pas du tout facile pour nous jeunes, mais nous y arriverons quand même. Œuvrons tous pour la promotion de Mesdames et messieurs, dans la paix à travers Jaka. Jaka continue tout à l'heure, il va prendre la place. Lui, c'est Franck Cobenant pour la suite du programme, mais je voulais vous donner l'information suivante. Ce soir, dans le journal télévisé de RTI 1, eh bien, vous allez suivre la cérémonie d'ouverture de Jaka Festival qui a eu lieu le mercredi dernier ici même. Et donc, on continue la fête. Francky, comme tu peux. Merci, Aimé. Merci du fond du cœur à notre marraine, la maman adorée de tout le Lot-Dibois qui a bien voulu nous accompagner sur tous les plans en fait que Jaka Festival édition 2024, autant pour moi, la 14e édition soit une réussite. Elle est venue avec une forte délégation et tous ont participé à cette grande fête. Nous allons appeler ici le Sapa de Nebo pour leur prestation. Et après eux, un autre village viendra pour témoigner sa reconnaissance à notre marraine que nous appelons communément Maman Bonheur. Quand elle est là, tout le monde est en joie. Nebo avec la danse Sapa. Le peuple Dida a une diversité de danses traditionnelles, notamment la danse Agbanyenye, le Toglo, le Sapa, le Zawlata, et j'en passe. Le village de Nebo va donc nous proposer et présenter surtout la danse Sapa.
Merci à la danse Sapa, venue du village de Nebo. Merci. Que la culture d'Ida reste éternelle. Nous allons tous contribuer à la pérennisation de toutes ces valeurs. Merci. Jaka Festival offre ce soir à tous les festivaliers un grand concert avec des artistes de renom qui sont déjà arrivés. Il y a Boningawe, Paul Madis, Dan Koutiz, Alain Guise, Faveur Béni, Jeff Bokulumbago, Myria Bracadé. Il y a un artiste surprise que nous gardons pour le moment jalousement. Tout à l'heure, à partir de 22h, on va vous dévoiler le nom de l'artiste qui fera le concert de clôture. Mais je vais d'abord inviter le village de Gigo combiné à Dougako pour leur prestation. Gigo et Dougako. Gigo et Dougako, vous venez ensemble pour une prestation. Alors, les mamans de Gigo et les mamans de Dougako, après eux, parce qu'il y a des hommes parmi, les percussionnistes sont des hommes, donc après eux, nous allons passer au compte avec Atou Yams, le compteur émérite du Lodjibois, natif du village de Beyiri, sous-préfecture de Ogoudou, canton Garo, qui a fait les beaux jours de la télévision nationale ivoirienne.